Good morning, allez, il y a une étude aujourd'hui, les Fouad, Rafael Dov, Ben Yehudit, Ben Betor Shachar Israël, ainsi que les Louis Nishmat, Abraham Chayin, Orber, Ben Fortuny, Mazalit, de Betesar, et comme ici, Ben Chana, et Machlouf, Micha, Ben Masouda. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Micha, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Masalat Ketout, Perik Vav, Mishnah Gimel. Rabbi Lezer Omer, Mitnadev, Adam, Hacham Taloui, Bechol Yom, ou Bechol Shachir, Tse, Vinikret, Hacham Chassidim. Amrou, Alav, Al Baba, Ben Bouti. On a une Mishnah qui va un peu conclure le sujet des Hacham Taloui en apportant une marloquette importante qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer. À savoir, lorsqu'on transgresse tout d'abord un korban khatat, on l'apporte sur une faute sur laquelle on est passible d'un karet bemezid, un khatat beshogeg. Je m'explique. Il y a tout type de averot dans la Torah, plus ou moins grave. Tantôt, la Torah elle condamne de recevoir 39 coups. Parfois, la Torah elle condamne de retranchement. Il y a des averot où c'est retranchement et en plus de ça, condamnation à mort. Quatre sortes de condamnation, ce qui la serait pas ering prenek. Lorsqu'on transgresse une faute sur laquelle on est passible d'un karet, et qu'on le fait béchogeg, par inadvertance. On a oublié, on s'est trompé. Alors la Torah nous dit, bon, tu ne seras pas passible de mort, mais au moins tu dois te faire apporter un korban khatat, une expiation. Lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a transgressé un korban, une avéra, une telle avéra, alors la Torah nous a dit, tu sais quoi, dans le doute, tu pourras apporter un korban à Hacham Taloui en attendant. Tu pourras ainsi suspendre les épreuves que, Chas v'Shalom, on doit endurer, à savoir, à déduire même. Lorsqu'on a su la vera, eh bien, on n'a plus la Hashkacha d'Hachem qui veille sur nous comme il faut. Hachem ne nous protège plus, et de ce fait, on est plus à même à être éprouvé, à endurer toutes sortes d'épreuves de galères, comme on peut dire. Et donc, pour pouvoir se faire expier, alors la Torah nous dit, tu sais quoi, si tu as un doute, tu pourras apporter un korban Hacham Taloui, en attendant, tu feras suspendre un peu tu apporteras une expiation momentanée, jusqu'à que tu éclaircisses la situation. Lorsque tu réaliseras que tu as réellement transgressé, eh bien, tu apporteras ton korban khatat. Ok? Sur quel type de doute doit-on apporter un korban khatat? Trois avis dans la Mishnah. Donc, je commence par les derniers, qui est l'avis de Chachamim, qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer. C'est notamment lorsqu'on a un doute très accentué. Comme la Torah l'explique, la Gemara l'explique, Khatiha ben shte khatichot. Il y a eu un bout parmi deux bouts, c'est-à-dire, il y avait devant moi deux actions, une qui était certainement permise, une qui était certainement interdite. Donc il y avait ce qu'on appelle une situation de itrazé qui soura, un issour qui était bien mourzak devant moi. Il y avait un vrai doute, très violent. Si j'ai failli, j'ai pas fait ce qu'il fallait, eh bien, j'ai transgressé le grave interdit. Il y avait deux situations devant moi et je sais plus ce que j'ai fait. Ce qu'on appelle donc khatiha ben shte khatichot. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Si tu étais dans une situation d'un doute pareil, tu avais par exemple au frigo deux morceaux de viande, deux morceaux de graisse, un qui était une graisse permise, un qui était une graisse interdite, tu ne sais pas laquelle tu as mangé, et l'autre tu l'as jeté, tu ne peux plus éclaircir, alors tu apporteras un korban à Hacham Taloui. Il y avait deux femmes qui dormaient chez lui, une dans une chambre, une dans l'autre, sa femme et sa sœur. Et il est parti avec une, il ne sait pas ce qu'elle fait. Alors là, c'est clair, il y a une situation, soit oui, soit permis, soit interdit. Mais par contre, s'il y a eu juste un doute, sa femme, il ne sait pas ce qu'elle était Nida ou elle n'était pas Nida. Son voisin qui lui apporte un bout de viande, il ne savait pas, est-ce que le voisin, c'est une personne qui fait attention à retirer les graisses interdites, ou même il m'apporte un morceau de graisse permise ou de graisse interdite. Là, il n'y a plus une situation de khatiha, mishte khatichot, une parmi deux. Sur ça, Ravim dispense d'apporter un korban à Hacham Taloui. Il faut forcément un doute, donc comme on a dit, où il y a deux situations devant moi, ce qu'on appelle un doute où il y a... C'est possible que tu aies fait l'interdit, parce que l'interdit, il était devant toi. Soit l'un, soit l'autre. D'accord? Ça, c'est l'avis de Chachamim. Dans notre Mishnah, on va découvrir qu'il y a une discussion. Il y a un avis qui est Rabbi Eliezer, on a déjà eu l'occasion de l'évoquer. Et là, on va plus mettre le zoom en découvrant qu'il y a en réalité deux avis dans ce même Rabbi Eliezer. Un avis de Rabbi Eliezer qui va me dire, je traduis directement même, Rabbi Eliezer, Omer Mitnadev Adam Hacham Taloui Bechol Yom ou Bechol Shachir. Un homme peut faire un don d'un korban Hacham Taloui chaque jour et chaque heure, chaque fois qu'il veut. Vinikret Hacham Chassidim, et ce korban il s'appelle Hacham Chassidim, l'expiation des
gens chassidim, des gens zélés pour accomplir les mitzvot parfaitement. Des gens qui veulent le veiller à être parfaitement propre, avoir pas un brin de faute. C'est-à-dire, de frère Rabbi Eliezer, finalement, il s'avère que le korban, Hacham Talouy, c'est une donation qu'on fait. C'est pas parce qu'on est en situation où on a transgressé réellement. Même si on, peut-être on a transgressé. J'ai passé ma journée aujourd'hui, j'ai vécu, j'ai mangé, je me suis reposé, j'ai étudié, je suis parti promener. Peut-être que dans tout ce que j'ai fait, alors là, peut-être que j'ai transgressé un interdit, que je suis passé devant, au-dessus d'un mort, puis après je suis entré au Beth Amikdash et j'ai pas fait attention. Ouais, tout est possible, quoi. Donc dans ce cas-là, Rabbi Eliezer te dit, ben, si tu as un doute, tu te sens pas, t'es pas à l'aise, tu peux apporter un korban Hacham Talouy. Ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Donc, à la différence de Chachamim, où c'est une vraie expiation, d'après Rabbi Eliezer, c'est plutôt une offrande, un don, une offrande, que lorsque tu apportes cette offrande, ça pourra expier, mais tu n'es pas obligé, même si tu n'as rien à expier forcément, tu peux aussi apporter un korban Hacham Talouy. Tandis que d'après Chachamim, donc, il faut nécessairement avoir fait quelque chose de pas bien, parce que faire transgresser dans le doute, c'est aussi avoir fait quelque chose de pas bien. Tu te rends compte que tu as été devant l'interdit et tu n'as même pas fait attention de ce qui se passait devant toi. Comme quelqu'un m'a dit une fois, on n'a jamais vu quelqu'un par inadvertance sortir son pantalon dans la rue, vous êtes d'accord? Il y a des réflexes naturels. Eh bien, quelque part, la vigilance à avoir face à la Torah, c'est à peu près la même chose. Ça n'existe pas, j'ai pas fait exprès, j'ai pas fait exprès, je suis sorti son pantalon aujourd'hui. Ça existe. Eh bien, finalement, quelque part, la Torah nous demande la même chose avec les mitzvot. Eh, j'ai pas fait exprès, j'ai mangé un interdit. C'est normal. Comment tu as fait une chose pareille? J'ai pas fait exprès, j'ai égorgé, j'ai tué quelqu'un. Comment on fait ça? C'est que, d'accord, t'es négligent, donc forcément tu négliges. Malheureusement, on est tous des humains, ça nous arrive tous de nous reposer les Shabbats et se lever, on sait pas où la tête, elle était pas vraiment sur les épaules, on a allumé la lumière, on était un peu perturbé. Ouais, ben, mais malgré tout, comme on a dit, même si j'étais perturbé, je sortis habillé dans la rue. Ok, donc en fait, c'est sur ça qu'on a une discussion fondamentale entre Rabbi Eliezer, qui est le début de la Mishnah, et Chachamim de la fin de la Mishnah. Rabbi Eliezer qui me dit, tu peux même faire un don d'un korban Hashem Talouy, peut-être que tu as transgressé même si tu n'as rien de concret devant toi. Et Chachamim, ils te disent, non, c'est le korban Hashem Talouy, c'est une expiation parce que tu es en situation de doute où tu devais être vigilant, et tu as manqué de vigilance et tu sais pas ce que tu as fait. Ok, ça c'est les deux extrêmes. Il y a au milieu une petite histoire avec Baba Ben Mouti qui va qui va en fait mettre en évidence un troisième avis sur la Mishnah, sur le Hacham Talouy. Amrou Alav al Baba Ben Mouti. Il y avait un Tana qui s'appelait Baba Ben Mouti, qui était un des Talmidim de Beit Shammai, comme il rapporte le Tiferet Israël. Mais Talmid de Beit Shammai, ailleurs. Beitza, Davka, Famoud Alef. Et il nous disait, alors il disait, lui, Shaya Mitanadev Hacham Talouy Bechol Yom. Lui, c'est un tzadik qui apporte un korban Hacham Talouy tous les jours. Chaque jour, il apporte un korban Hacham Talouy. Pourquoi? Oh, va savoir lorsque j'ai mangé de la viande, si finalement la servante qui a préparé, qui a décortiqué, qui a nettoyé la viande, elle n'a pas mis une graisse interdite. Si quand il a eu, peut-être qu'il a eu un rapport avec sa femme, peut-être qu'elle était Nida, alors que même si c'était dans mes jours permis, mais allez savoir qu'est-ce qui a pu se passer. Et puis, il y a toutes sortes d'interdits, il y a eu Shabbat qui est passé, même s'il a fait que étudier, manger, se reposer, mais peut-être qu'il n'a pas fait attention, il a allumé quelque chose, il a éteint quelque chose, Donc dans le doute, chaque jour, il apporte un korban à Hacham Talouy. Apparemment, c'est comme Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Iger rapporte ici, au nom du nouveau Tchor, quelque chose qui va mettre en évidence que ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire, donc Baba Ben Mouti, lui, Aya Mitanadev, Hacham Talouy Becholom, il apporte un korban à Hacham Talouy tous les jours. Chutz Machar Yom Kippourim Yom Echad. Sauf le lendemain de Yom Kippour. Pourquoi? Raison très simple. Yom Kippour aussi expie les fautes. Donc lorsque tu as un doute, c'est bon à savoir ça. On a dit, peut-être qu'on a transgressé quelque chose, et donc on est passible d'endurer des épreuves jusqu'à qu'on apporte l'expiation. Le Korban Hacham Talouy vient résoudre ce problème, il vient expier cette situation de doute. Bien, il faut savoir que Yom Kippour aussi vient expier cette même situation de doute. Après Yom Kippour, tu n'as plus besoin d'apporter un Korban Hacham Talouy. Parce que Yom Kippour a lui-même suspendu tes avérotes jusqu'à que tu saches ce que tu as fait et que tu peux ensuite apporter ton Korban Hatat. De ce fait, le lendemain de Yom Kippour, il n'apportait pas de Korban. Lui-même, Baba Ben Mouti, il a dit quand même que Amar, il a dit Amaonazé, je jure par, comme on dit jure sur la Torah, on jure sur le Beth Amikdash. Amaonazé, c'est le Beth Amikdash, le Maon, Maonach. Amaonazé, sur cette résidence du Beth Amikdash, je jure par cela que Iloyou Mani Chimli, si mes amis me laissaient faire, Haïti Mevi, j'aurais apporté, même le lendemain de Yom Kippour, j'aurais déjà apporté un korban. Pourquoi pas?
Ella omrimli, seulement mes amis me disent, Amden adjetikenes la safek, patiente, au moins un petit peu, chouïa, chouïa, quelque chose, et quelque chose devant toi. T'es un tzadik, t'as jeûné toute la journée, t'as fait que de prier Hashem ou Elohim et Yudim Elmidot, et tu as fini rien, t'as pris un petit bout de gâteau, un bol de lait, t'es parti vite au bétaminage pour encore étudier et préparer et construire la soukha. Ah, attends, t'as même pas fait de Averot. Donc, en fait, on remarque de là qu'il y a une discussion entre Baba Ben Mouti, entre ce que Baba Ben Mouti faisait selon ses amis, et ce qu'il aurait réellement voulu faire comme Rabbi Eliezer en réalité. C'est dans ça qu'il y a deux avis. Selon Rabbi Eliezer, tu fais vraiment ce que tu veux parce que tu peux apporter un korban Hashem Talouï même si tu n'as pas un brin de safek. Tu peux en faire une donation, une vraie offrande, comme on apporte un korban Ola ou Shlamim. Eh bien, tu peux aussi apporter un korban Hashem Talouï. Selon ce deuxième avis, ça ressemble un petit peu à Chachamim dans la mesure où, non, ça vient expier quelque chose. Expier, ça veut dire que tu as quelque chose à te reprocher. Alors, avoir quelque chose à se reprocher, après, on a combien il faut se reprocher entre Chachamim et Baba Ben, et les amis de Baba Ben Mouti. D'après Chachamim, il faut nécessairement qu'il y ait une situation très grave. Et d'après l'autre, il faut que, non, qu'il y ait quand même un petit quelque chose, au moins, commence à vivre ta vie, à manger, te reposer, te promener, discuter. Et alors là, peut-être que dans toutes ces 24 heures, peut-être que c'est une faute, apporte un korban à Hashem Talouï, selon les amis de Baba Ben Mouti. Mais qu'il y a au moins un petit quelque chose. Donc en fait, on constate en réalité qu'il y a trois avis. Et Chachamim, je conclue d'abord, Chachamim disent non, on ne peut pas porter un korban Hashem Talouï, El al davar shezdono karet, shigigato khatat. On ne peut pas porter un korban Hashem Talouï que sur une faute sur laquelle on ne passe pas karet. Et dans le doute, tu apportes un khatat, et tu as un doute, est-ce que tu as transgressé avec un doute très aiguisé, alors là, dans ce cas-là, tu apportes un korban khatat. Si je conclue la Mishnah, en réalité, il y a trois avis, deux extrêmes et un avis au milieu. Deux extrêmes qui est Rabbi Eliezer qui te dit, tu peux. À savoir, est-ce que le korban Hashem Talouï, c'est un don ou c'est une expiation? Si c'est une expiation, tu n'apportes pas une expiation pour rien. Tu apportes une expiation parce que tu as fait une bêtise. Ouais. Imagine quelqu'un qui vous demande Mechila, Mechila. J'ai un ami un petit peu, une connaissance, un peu lourdeau comme ça, il me dit pardon, peut-être que je t'ai fait quelque chose. Arrête, ça va. Une chose que tu fais que tu me déranges, c'est que tu me demandes toujours pardon. Peut-être que tu m'as rien fait, tu étais quelqu'un de sympathique. Bon, il y a des gens qui malheureusement, ils ont des nerfs. Nervistime, ça s'appelle en hébreu. En tout cas, ouais, une expiation, ça on l'apporte parce qu'on a fait une erreur, alors on demande pardon à Hachem. On ne demande pas pardon, peut-être qu'on n'a rien fait. D'accord? Donc il y a une discussion fondamentale entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce que le korban Hachem Talouï vient expier ou bien est-ce que c'est une offrande qui a l'avantage d'expier si on a fait quelque chose? Et au pire, c'est quand même une offrande. C'est extrême. Rabbi Eliezer te dit, c'est une offrande. Tu n'as rien fait, tu viens de finir Yom Kippour. T'as fini Yom Kippour, t'es parti dormir, tu t'es levé le matin, t'as fait la tefila comme il fallait, tu prends un korban, tu peux le porter au Beit HaMikdash, et t'en fais un korban Hashem Talouï. Sur quoi? Cadeau. Je peux apporter une Ola, je peux apporter un Shlamim, mais j'apporte un Hashem Talouï. Peut-être que j'ai pas fait de faute, mais c'est pas grave, qui a dit qu'il faut avoir fait des fautes? Chachamim te disent non, c'est une expiation. D'accord? Ouais, maintenant, c'est une expiation. Ok, c'est une expiation. Mais c'est une expiation sur quoi? Chachamim, à part ça, il pense, c'est pas précisé dans la Mishnah, c'est précisé dans la Mishnah d'en haut, qu'il fallait qu'il y ait nécessairement Khatira Mishnah Khatirot, qu'il y ait un doute, une expiation sur une vraie situation de doute. Sur ça, il y a les amis de Baba Ben Bouti qui lui ont dit non, et au moins un semblant de quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas une offrande, c'est une expiation. Quel type de doute? N'importe quel type de doute. Même si ton voisin est apporté, il t'a envoyé un morceau de viande à manger, t'as mangé sans savoir est-ce que le voisin il mange cachère ou pas. Bon, bah, t'as pas de doute concret devant toi. Logiquement, c'est un bon juif, il a quand même une kippa, c'est quelqu'un qui fait le kiddush le vendredi soir, le shabbat matin, même si des fois il dort à la synagogue, c'est pas grave, c'est pas un rachat à cause de ça. Alors d'accord, donc finalement il t'apporte à manger, bon, au moins t'as un semblant de doute. T'as quelque chose, t'as mangé quelque chose sans savoir qu'est-ce que c'était. Sur ça, ils te disent non, c'est pas un doute assez aiguisé. Et les amis de Baba Mouti disent non, c'est déjà suffisant si tu veux apporter un korban Hashem, c'est pas. Mais au moins, hein, ça doit expier sur quelque chose, mais pas sur rien. À la différence de Rabbi Eliezer. Ok, c'est clair? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.